Merci beaucoup pour ta disponibilité. De rien, je suis désolé parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de boulot récemment. C'était compliqué de me trouver du temps. Je voyais tes messages, je les mettais, je faisais OK, ne pas lire comme ça, je sais qu'il est là. Ouais, je fais J'ai la notif. pareil aussi. Ouais. Mais c'est Bah, bon, là, du j'avais coup, un peu de temps, donc dans c'est cool. l'idée, bah, je voulais faire connaissance avec toi bah, pour en savoir un petit peu plus sur la façon dont tu travailles. J'ai vu que du coup, tu étais bien occupé donc entre l'atelier. La prépa physique en hockey, il me semble, et puis la marque C'est ça. de sport, là. Et Ça, j'ai pas mal de choses à gérer un peu en ce moment, donc ouais. ça prend du temps. Et du coup, voilà, bah, ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours, la façon dont tu travaillais bah, avec les athlètes au hockey, avec bah, les clients aussi à l'atelier, bah, voir un petit peu les différentes facettes bah, de sportifs que tu accompagnes. Et puis, te présenter aussi ce que je fais pour bah, voir un petit peu avec toi si ça fait sens et puis bah, discuter avec toi, avoir ton feedback et tout ça, quoi. C'est grave, je suis grave chaud. Cool. Bah, ce que Très, je très te chaud. propose, c'est que je te laisse, si tu veux, me raconter un petit peu ton parcours. J'aurai sans doute des questions, puis après, j'en ferai de même, quoi. Ok, bah vas-y, on fait comme ça. Bon, mais du coup, de rien on vit dessus, ça c'est bon, tu sais. Donc, je suis préparateur physique dans l'équipe de hockey d'Anglet. Donc, ça s'appelle l'Ormadi. J'ai pas fait exprès, tu vois, mais on avait Représente. entraînement ce matin, donc je suis encore en tenue. Donc, ça fait 3 ans que je m'occupe d'eux. J'ai commencé d'abord avec le centre de formation. Ouais, j'ai ma cam qui déconne un peu. J'ai commencé avec le centre de formation et après, progressivement, ils m'ont introduit dans l'équipe première. C'est une Ouais. équipe qui évolue en Ligue Magnus. Ligue Magnus, c'est le plus haut niveau en France. OK. Du mentorat de la Sport Conditioning, tu as aussi Jérôme Pérez qui est à Grenoble. Ouais. Et Raphaël Lagarde qui vient d'arriver à Grenoble aussi. Ah oui, Donc, j'avais suivi ça, ouais. on est quelques-uns à être dans le hockey maintenant. C'est cool. Alors, j'ai ça. À côté de ça, j'ai ouvert ma salle au mois de juin. Dès qu'on a pu ouvrir les salles en France, j'ai lancé la mienne. Ça s'appelle l'Atelier. C'est un complexe sportif avec un ostéopathe et une sophrologue. Et Ouais. l'idée, c'est d'accompagner le sportif du début jusqu'à la fin pour l'aider à. Du coup, à l'objectif qu'il a quand il arrive à l'atelier. Que ce soit un objectif bien précis, comme là, le sujet qu'on a assez régulièrement, c'est le marathon de Biarritz, qui est au mois de juin l'année prochaine, qui lui arrive assez régulièrement chez les gens. Mais après, on est ouvert à tout le monde, quoi. On fait pas que le sportif, même si c'est les gens qu'on aimerait suivre un peu plus. Mais on est ouvert à tout le monde parce qu'on considère que, par exemple, c'est un exemple que j'aime bien donner, mais je vais te prendre l'exemple du banquier. Sa vie, son boulot, c'est clairement de la compétition. C'est comme si c'était un sportif, en fait, parce que personne n'a envie de rester banquier, juste hôte de guichet à l'entrée, attendre que les gens arrivent et repartir le soir. Ils ont tous envie de progresser, de devenir directeur d'agence. Donc forcément, il y a une compétition constante chez eux. Ils ont envie de s'améliorer, ils ont envie de performer, ils ont envie d'être en bonne santé à côté. Donc on aime bien assimiler ça à des sportifs aussi. Donc du coup, pour nous, on les entraîne comme si c'était des sportifs pro. On prend en note un peu le boulot qu'ils font, les horaires qu'ils ont, la vie qu'il y a à côté, parce que forcément, ils n'ont pas que le boulot, ils ont les enfants, la famille à s'occuper en rentrant chez eux. On prend en compte tout ça et après, moi, même si je suivais un hockeyeur, je mets en place une prépa pour m'occuper de lui. Et du coup, j'occupe le hockey, l'atelier et à côté de ça aussi depuis 4 ans. Ouais, depuis 4 ans déjà. Depuis 4 ans, je m'occupe de golfeurs qui sont devenus professionnels. Qui là en ce moment j'en ai 3 en compétition et un qui attaque la pré-saison. Donc ça fait pas mal de boulot à faire. Plus de ça, ma marque de sport que j'ai lancée il y a 2 ans de ça aussi, bon, qui est clairement en stand-by pour l'instant, parce que je me consacre plus à l'atelier et à la saison qui. On est en plein dedans là. Mais elle va vite revenir. Je vais vite en dire dessus et refaire des petits designs dessus. Cool. Et du coup, j'imagine qu'à l'atelier, bah, tu disais, c'est hyper intéressant. Du coup, tu as l'aspect, bon, je caricature peut-être un petit peu, mais l'aspect du coup prépa physique, l'aspect, j'imagine, prévention des blessures, retour et athlétisation avec la partie ostéo. C'est ça, exactement. Et la partie du coup gestion, tout ce qui est hors entraînement, le mindset avec la partie sophrologie, quoi. C'est ça, ouais. C'est dans l'idée, c'est un peu ça. À la base, quand on s'est dit, OK, on va appeler ça l'atelier. On a vu ça un peu. Est-ce que tu connais l'émission Pimp My Ride avec Ouais. les grosses voitures américaines? On s'est dit un peu dans cette idée-là.
On a une voiture un peu cabossée qui arrive. Le gars, il va ressortir avec une maxi voiture. OK, on va la retaper de A à Z. Donc, on va dire la partie un peu intérieure, ça serait la sophro. Tout ce qui est la structure de la voiture, ça sera l'ostéopathe qui va bien remettre tout en place. Et tout ce qui est, on va dire, carrosserie pure et performance de la voiture, c'est moi qui m'en occupe. Ah, cool. On avait un peu cette image en tête. On ne voulait pas lui donner un nom à l'anglaise parce qu'on s'est dit, bah, y a tout le monde qui va faire ça. Puis nous, on est quand même bien, on est dans le Pays Basque. Donc, ils aiment bien le côté français. Donc, on s'est dit, bah, l'atelier, ça marche trop bien, ça nous plaît, ça nous correspond à tous. Et on a mis ça en place. Et après, comme tu dis, on a vraiment cette partie performance, réathlé et un peu ce côté aussi psycho à côté où on va essayer de soit les faire sortir de, des galères un peu quotidiennes, soit leur permettre de casser un peu les barrières qu'ils pourraient avoir, surtout sur les sportifs pro qui, finalement, mais tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui fait un peu, qui est vachement ressorti avec les derniers Jeux Olympiques, où on se rendait compte que la charge mentale était, elle était énorme pour les athlètes. Et du coup, le fait qu'on ait une sophrologue avec nous à l'atelier, ben, c'est qu'en plus, on peut au moins les décharger un petit peu sur ça. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, carrément. Ouais, on en reparlera après aussi. Ça, moi, c'est un aspect qui m'intéresse de plus en plus. La charge hors entraînement, c'est finalement quelque chose qui est peut-être plus intéressant, enfin, pas plus intéressant, mais sous-évalué en tout cas. Et que, ouais, je pense aussi. Ouais. Autant, voire plus d'impact sur l'entraînement en lui-même au final. Quoi. Ça, ouais, je suis bien d'accord avec toi sur ça. Je pense que c'est un peu. Il y a deux choses où, après, je suis encore hyper jeune dans le métier de préparateur physique. Donc, je ne peux pas me permettre de me comparer à Fred, par exemple, ou Olivier Morelli, ou à plein d'autres grands préparateurs, mais je pense que je commence un tout petit peu à avoir du recul. Je veux dire qu'il y a des choses qui, j'ai l'impression, qui ne sont pas travaillées ou sous-travaillées, comme du coup cet aspect de charge mentale, ou sinon avec le public féminin, que j'ai quand même pas mal à l'atelier, c'est la gestion du cycle menstruel qui, je trouve, elle est, on est totalement dans l'inconnu, en fait, dedans. Je commence un peu à essayer de me former dessus, de me renseigner, de vraiment être calé, mais je me rends compte qu'en fait, bah, c'est pas un sujet qui a été vraiment traité. Et... Ouais. Alors que quelque part, je vois ça comme du limite du doping naturel. Si on arrive à bien gérer tout ça, il y a des jours où on peut faire des performances incroyables parce que c'est le bon jour pour l'athlète. Et... Ouais. Donc, ouais, il y a des petits aspects comme ça, je trouve qu'il y a tout à faire dessus et c'est hyper intéressant. Quoi. Et du coup, bah, comment tu fais pour articuler ça, bah, que ce soit une illustration avec l'atelier ou avec les joueurs en hockey? Bah, de façon générale, moi, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ton process pour d'organisation, toi, avec le staff, et comment tu crées les contenus des séances, comment tu les partages et comment tu fais le suivi sur éventuellement la quantification de la charge et justement tous ces aspects de charge hors entraînement, de bien-être. Raconte-moi un petit peu comment tu fais tout ça. Je pense que je peux faire une sorte de petit comparatif entre ce que je propose du coup à l'atelier et ce que je propose avec les hockeyeurs. Parce que du coup, je n'ai pas les mêmes moyens. Mais au final, j'arrive quand même au même résultat. Avec les hockeyeurs, du coup, pour planifier la séance, tout est... comment dire ? Il y a un échange qui est fait avec le coach, avec le head coach. On est deux en prépa physique. Du coup, ça fait... Il y a quatre avec l'assistant coach. Il y a quatre interlocuteurs pour mettre en place la semaine d'entraînement à peu près, qui après est réadaptée en fonction du coup des résultats des matchs, de l'état de fraîcheur des joueurs. Quand on arrive en salle, la séance, elle est faite un peu... J'aime bien cette idée-là, un peu à l'ancienne, où on a un gros tableau blanc, ouais. On marque la séance au feutre. Je trouve que j'aime bien ce petit aspect. Et pour le suivi des joueurs, on a un logiciel qui s'appelle FirstBeat. Ouais, c'est, okay. C'est un capteur de fréquence cardiaque qui nous donne qui se remet à jour automatiquement avec les données qui sont ajoutées chaque jour. Et... il y a une partie qui s'appelle le TRIMP, donc ça correspond à la charge de travail en fait. Et nous, on se fie pas mal par rapport à ça. Tu as Polar qui utilise un peu le même système. Ce n'est pas le TRIMP, je ne saurais plus dire quelle unité c'est, mais qui du coup, par rapport à la récupération et par rapport au type de forfait, tout ça, arrive à projeter, du moins. Je ne pense pas que ce soit totalement bon à 100%, mais au moins, c'est une bonne idée. Ouais. De dire au sportif, OK, là, il est en sous-entraînement, là, il est en maintien, là, il est en productivité, et là, il est en surentraînement, OK, alerte rouge, il faut faire attention. Et du coup, nous, FirstBeat nous donne à peu près les mêmes, c'est pas les mêmes mots, mais nous donne à peu près ces mêmes barèmes. Et accompagné de ça, nous, donc on a cette donnée qui est vraiment purement, c'est que des datas. Ouais.
et on a un relationnel, un échange avec les joueurs. Donc, ils ont tous les matins, ils reçoivent un petit questionnaire à remplir qui nous donne un peu l'aspect mental, l'aspect physique, le ressenti du joueur, tout ça, qu'on vient croiser du coup avec les données du First Beat et qui nous donne assez globalement, c'est rarement beaucoup trop, enfin, on s'est rarement trompé, nous donne l'état de forme du joueur sur le moment, quoi. Après, ce qui, pour moi, est hyper important, c'est le relationnel direct. C'est aller voir le joueur. Ok, ben, j'ai vu ce matin sur ton capi, tu m'as dit que tu étais comme ça, comme ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? T'es vraiment beaucoup fatigué, tu as juste des courbatures. Et à travers ça, ben, soit tu arrives à creuser un petit peu et te dire, ok, ben, lui, il se ressent comme ça. Mais au final, c'est que des courbatures. Donc peut-être, au lieu de. Moi, je pensais lui réduire la séance. Au final, on peut peut-être faire pareil, mais du coup, on lui donnera juste un tout petit peu plus de récup. Soit au final, tu creuses et tu rends compte que le gars, en fait, il a voulu se protéger un petit peu. Sur son KP, il a mis quelque chose d'hyper bien. Ouais, je suis en pleine forme et tout. Et au final, dans sa tête, il n'y a rien qui va. Je ne sais pas, je te dis des scénarios qui peuvent arriver. Il est en plein divorce, sa femme est enceinte, elle va accoucher. Il est surchargé de stress. Et du coup, ben, toutes les données qu'il nous donne qui ne correspondaient pas du coup avec ce qu'on avait sur le logiciel. Ok, bon, on a trouvé le lien qui va entre les deux. C'est juste que le gars, là, actuellement, il est pas bien, quoi. Donc, ouais, tout ça, ça va être, c'est par rapport à ça qu'on va réussir à quantifier un peu l'état de forme des joueurs. Et après, pour la séance pure et dure, elle est écrite à l'ancienne sur un tableau, que ce soit sur la glace ou en salle de muscu, c'est pareil. Et du coup, à contrario, j'ai l'atelier où là, bah, du coup, le head coach, c'est moi, je suis tout seul. Du coup, vous avez pas mal de moyens avec le hockey, du coup, parce que First Beat, c'est quand même plutôt solide comme solution. Ouais. J'ai envie de te dire oui et non, parce que personnellement, j'ai déjà travaillé avec McLeod, par exemple. Et je trouvais ça beaucoup plus poussé, beaucoup plus précis. Ça s'écrit comment ? Je n'ai pas envie de te faire d'autres. C'est MC2LOYD, si je ne me trompe pas. McLeod, ok, ouais, c'est bon, j'ai trouvé. Merci. Je regardais ça. On avait ça et on avait Polar, du coup. C'était un stage à l'Aviron Bayonnais. Les deux, du coup, étaient combinés. Et là, on avait vraiment des données qui étaient. À la limite, si on voulait vraiment pousser la chose au maximum, on n'avait même pas besoin d'échanger avec les joueurs, on savait si tel ou tel joueur était en forme. Et c'était hyper précis, c'était toujours en corrélation avec la vie du joueur. Donc je trouve que First Beat, c'est bien. Forcément, au niveau du budget, ben, c'est pas le capteur le plus excessif qu'on puisse trouver sur le marché. Pour le budget du hockey, qui ne correspond pas au sport le plus riche, on va dire, en France, c'est pas mal. C'est déjà un bon investissement. Mais après, c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Donc on fait avec ce qu'on a, quoi. Et du coup, pour avoir échangé avec. Pardon ? Ouais, pardon. Qu'est-ce qui fait que selon toi, McLeod, bah, du coup, qui est plus orienté GPS, si je ne me trompe pas, et selon ouais, toi, ouais. Était plus représentatif, ou en tout cas, selon toi, tu as eu des. Enfin, en tout cas, pour toi, c'est plus précis que First Beat. Qu'est-ce qui fait que c'était plus précis pour toi ? Du coup, ce qui fait que c'était plus précis, donc du coup, le fait de croiser McLeod avec Polar, je trouvais que le logiciel Polar donnait des données plus exactes. Tu vois, par exemple, là, le souci qu'on peut rencontrer cette année avec First Beat, c'est un joueur qui a une fréquence cardiaque assez basse de base, le capteur ne va pas forcément le prendre en compte. Et du coup, ça fait que même si le joueur est sur la glace, il est en train de patiner, ce n'est pas un effort qui lui demande beaucoup d'énergie, mais il y a quand même quelque chose, il est quand même en train de patiner. Et à ce moment-là, le First Beat va dire, bah non, pour moi, selon mes calculs, là, il est en train de rien faire, il est en récup total. Alors que là, tu as le joueur sous tes jeux, il est quand même en train de patiner. A contrario, McLeod, du coup, qui a une petite donnée GPS qui voit le tracé du joueur, même si le joueur il est en train de faire un déplacement très léger, il a quand même la distance et combiné aux données que le Polar peuvent donner, bah, il dit ok, bah, il est quand même en train de faire une activité, même si elle est basse, il fait quand même quelque chose. Ouais. Et du coup, ça, il a accumulé quand même dans la charge de travail. Et du coup, ça fait que là, en ce moment, avec First Beat, de temps en temps, on peut avoir un joueur qui, au ressenti, a fait un match et est allé chercher au fin fond de ses réserves, il était cuit à la fin du match, et tu sors ton rapport d'entraînement ou de match et tu dis, bah, non, moi, sur mon papier, t'as rien fait en fait. Donc du coup, ce qui se passe dans la vraie vie, ce qu'il y a sur les données sont de temps en temps un peu trop différentes. C'est toujours essayer d'avoir la balance entre la charge externe et la charge interne finalement, quoi. Faut toujours c'est avoir ça, c'est vrai, toujours en train d'essayer de jauger avec ça. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu moins de précision avec First Beat. Après, au final, si sur toute l'année, tu es habitué à toujours avoir ce petit écart de précision, ouais. Tu t'y habitues, tu peux travailler avec. Je ne me plains pas du tout de travailler avec. Au contraire, je suis quand même très content de voir quelque chose. Mais je sais que je pense qu'il y a quand même mieux ailleurs. Mais ben, comme de partout, quoi, il y a toujours mieux ailleurs.
Mais il faut Après. faire avec ce qu'on a et il faut bosser avec, quoi. Ouais. Donc, je trouve ça très, très cool. Mais je sais qu'il y a... j'ai travaillé avec mieux. Enfin, du moins, ça me correspondait mieux, moi, pour le travail. Ok. Et du coup, ouais, tu disais sur à l'atelier, du coup, comment était ta façon de travailler? Et du coup, à l'atelier, donc, j'ai pas de, comment dire, de ressenti avec les entraîneurs. Je peux pas dire, OK, bon, ben là, on a fait un grand entraînement glace ou quoi. Puisque, du coup, à l'atelier, je reçois soit les joueurs blessés. Donc, en général, selon le type de blessure, ils peuvent pas aller sur la glace. Donc, au niveau de la charge de travail, il n'y a que ce que je donne moi. Sur des personnes qui pratiquent un autre sport, ben, je suis en relationnel directement avec eux. J'essaie de demander directement parce que sinon, je peux pas me permettre d'avoir le numéro, les contacts de tous les entraîneurs que j'entraîne, enfin, des sportifs que j'entraîne. Parce que je pense que le gars, au bout de 5 minutes, il dit, OK, bon, il est très gentil derrière, mais je vais pas lui répondre tous les jours à ses messages. Donc, c'est un relationnel direct avec l'athlète ou avec la personne qui vient juste se dépenser à la fin de sa journée. C'est direct les mêmes questions un peu que je pourrais poser aux joueurs. C'est comment tu vas, t'es en forme, t'as bien dormi, t'as des petites courbatures quelque part, oui, non. Au final, ça prend pas longtemps. La personne qui est avec toi, ben, elle voit qu'il y a un échange, elle voit qu'il y a une confiance, enfin, que tu essaies de créer un lien avec. Et indirectement, ça la met directement dans la séance, quoi. Elle se rend pas compte, mais elle dit, OK, ouais, c'est vrai que j'ai un petit bobo là, OK. Ah, c'est vrai que j'ai quelques courbatures, mais j'ai envie de me donner aujourd'hui, j'ai envie de me. Et hop, indirectement, elle se met en route. Alors qu'au final, elle est encore en tenue de ville, elle n'est pas partie au vestiaire, elle ne s'est pas changée. Mais la personne, elle commence déjà à se mentaliser, à se dire, OK, ben, ben là, je suis pas pour 1 heure de sport avec Dorian et je vais pouvoir y aller, quoi. C'est vraiment ça. Je fais tout relationnel. Moi, j'ai mon petit cahier, si je veux. Je vois plus ta caméra, donc tu peux pas me montrer. Ah mince, pardon. J'ai un petit. Allez, j'essaie de la refaire marcher. J'ai un gros problème avec ma cam. Je pense qu'elle a pris un pet. Ça remarche, mais tant mieux. J'ai un petit cahier où j'ai. C'est vraiment à l'ancienne, mais c'est fiche client. Enfin, fiche client. Enfin, sportif, je n'aime pas dire client, mais. C'est. J'ai, OK, bah, j'ai Sarah, j'ai Célia, j'ai Chloé, j'ai Augustin, Thomas. Je sais tout sur eux. Ce qu'ils font dans la vie, la journée type, comment aller. OK, ah, putain, la semaine dernière, tu te rappelles, tu as fait 7 perfs sur les soulevés de terre, c'est trop cool. Ben, vu qu'on est encore sur un cycle de force, on va essayer d'aller chercher un tout petit peu plus haut aujourd'hui. Tu te sens prête? OK, vas-y, on y va. Et j'ai tout relationnel. Et j'ai tout qui est écrit. J'ai des tableurs Excel en veux-tu en voilà dans mon PC. C'est un peu comme ça que je m'amuse. Et c'est comme ça que je fais du coup la gestion des séances et la gestion de l'effort et de la charge d'entraînement de mes athlètes à l'atelier. C'est moins précis, c'est sûr. Mais pour l'instant, vu que c'est que le début, j'ai pas encore. Enfin, j'ai pas. Je vise à avoir plus de monde que là, pour l'instant, ça va, c'est encore gérable. Je reste comme ça, mais ouais, c'est sûr que j'envisage plus tard de trouver quelque chose qui me fasse au final gagner du temps, quoi. Ça va être obligé. Enfin, si je veux continuer à travailler et être vraiment faire quelque chose de qualité pour eux, que quand ils viennent, ils soient toujours tout le temps contents. Il va falloir que je me professionnalise un peu plus et tous mes cahiers, c'est bien, tous mes Excel, c'est bien, mais je suis sûr qu'il y a des choses qui rassemblent tout. Indirectement, je te tords la perche pour que tu me parles après de ce que tu fais là. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Bah, du coup, je vais te raconter un peu mon parcours. C'était cool d'avoir un petit peu ta façon de travailler. Bah moi, je suis donc Gilda, hein, comme tu l'as compris. J'ai 30 ans, ça fait 1 an et demi que je travaille sur The Perf Club. Et bah moi, mon parcours sportif, pour planter un petit peu le décor, j'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune à assez bon niveau, puisque je Cool. faisais bon, les championnats de France, championnats d'Europe. Et du coup, mon entraîneur de l'époque, bah, j'étais plutôt bien loti, puisqu'il est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Donc voilà, Ah j'ai. oui. Plutôt bien loti en termes de prépa physique et puis de culture de l'entraînement. J'ai toujours, bah, comme nous tous, hein, passionné par le processus de progression. Et du coup, bon, j'ai choisi après ça plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX. En BMX, tu faisais freestyle ou tu étais en course? En course. Course. Ouais. Et du coup, pas mal d'haltéro. Et du coup, bah, après le vélo, je me suis. Bah, là, aujourd'hui, je fais toujours de l'haltéro en loisir, bah, pour m'entretenir. Puis bon, bah, pour essayer d'atteindre des petits objectifs que je me fixe. Et puis, bah, étant un petit peu geek, puisque je travaille dans le web depuis 8 ans, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Bon, je me suis retrouvé devant un tableau Excel, donc comme nous tous. C'est ça, c'est Ouais, pour le essayer. fameux tableau, on l'a tous dans l'ordi. Ouais. Je pense que notre Excel est intuitif que pour nous. On se comprend avec, mais si on le montre à quelqu'un d'autre, personne ne comprendra. Ouais, je pense. Et du coup, bah, je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas d'en faire une plateforme un peu plus intuitive, parce que j'aime bien le design aussi.
Et après, j'ai parlé avec pas mal de prépa physique, donc dont Fred, qui m'avait ouvert la porte avec sport conditioning. Et du coup, j'ai échangé avec pas mal de prépa physique, de coach, pour faire un petit peu mûrir et évoluer le projet. Et puis, je vais te montrer un petit peu ce que je fais. Je vais te partager mon écran. Mais en deux mots, du coup, j'essaye de faire une plateforme qui te permet de créer, de partager des programmes d'entraînement et puis d'avoir des données sur le suivi subjectif sur la charge d'entraînement et la récupération. Voilà, je ne sais pas si tu avais déjà eu le temps de jeter un petit coup d'œil. Si, j'avais déjà jeté un coup d'œil. J'avais sur la page web, je crois, parce que je n'avais pas trouvé l'application. Ouais, elle n'est pas encore sur les stores. Elle. Ah, mais c'est pour ça, peut-être. Hein. Ouais. Du coup, j'ai essayé, je suis un peu amusé, j'ai un peu fouillé comme ça, mais. Et tu en avais pensé du coup, quoi vu que je savais qu'on allait s'entretenir, je me suis dit, OK, bon, là, tu fais juste un peu. Je navigue dedans et j'attendais vraiment, du coup, de pouvoir échanger avec toi pour des choses beaucoup plus sérieuses. Et au vu d'un du coup, je n'ai pas tout exploré. Donc, je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas ou quoi. Ouais, c'est bon. L'aspect, je le trouvais vachement bien, très pratique. Le fait de pouvoir rentrer, t'arrives, tu rentres en exo, il y a quand même des vidéos, des photos qui correspondent déjà. Moi, ouais. Clairement, c'est ce que je fais sur mes Excel, mais c'est mon tableau que j'ai fait sur Canva qui est déjà tout prêt, tout réglé. Je rentre ma séance, je mets ma photo en insertion d'image. Enfin, c'est très amateur du coup ce que je fais. Donc là, ça donnait vraiment un côté direct professionnel. Je trouvais que ça ressemblait pas mal à dans l'idée. Tu connais Ben Bergeron? Ben Bergeron. Ouais, c'est un entraîneur de CrossFit qui a créé la société Comtrain. C'est une bonne écurie, on va dire, CrossFit. Et ils proposent sur leur page, ils proposent d'entraînement. Et je trouvais dans le style, ça faisait aussi réglé, aussi calé. Tu sais que tu as ça, tu as tant de récup, tu es à telle charge. Et je trouvais ça hyper cool. Donc, j'avais bien aimé ça. Ben Bergeron, et, tu vois un peu? Ben, j'irai regarder après tranquille de mon côté, ouais. Mais je connais pas, non, mais c'est cool de connaître. Ouais. Ouais, en vrai, je trouve que c'est un bon entraîneur. Il a quand même souvent créé des. Enfin, créé. Il a l'air de créer un bon programme et il a sorti quand même pas mal de gros athlètes CrossFit. Donc, c'est que quelque part, ses idées, elles sont pas si mauvaises. Ouais. Donc, ouais, non, je trouve que ça ressemblait un peu. Et ouais, pour en revenir à Perf Club, du coup, je trouve que c'était vraiment ce qui allait. Ou même ce RPE en suivant où tu dis, bon, ben, je me suis senti bien sur cette séance. Ou alors, au contraire, je ne suis pas senti bien. Et du coup, tu avais un peu cette donnée que je vois que tu partages assez souvent en story. Ouais. Cette donnée qui te disait, OK, ben, tu as récupéré tant de pourcents ou tu as tel pourcent de forme. Donc, OK, soit vas-y, soit ben, réduis un peu ton entraînement, adapte-le parce que tu n'es pas OP pour faire une grosse séance aujourd'hui. Et ça, je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Cool. Ben, je te partage mon écran tout de suite et puis je te fais faire un vas-y. Petit tour. Très chaud. Hop. Tu vois bien mon écran là? Ouais, très bien. Super. Il y a pas mal de pages ouvertes là. Ouais, je les garde tout le temps ouvertes, mais ouais, j'en ai toujours un peu trop. Du coup, je vois le McLeod, je vois First Beat, ton petit logo. Ouais, je viens d'ouvrir les trucs en même temps qu'on discutait, ouais. Cool, bah, du coup, je te fais faire un petit tour. N'hésite pas à me couper si tu as des questions entre-temps. Okay. Donc là, en gros, je suis sur le tableau de bord de l'équipe, du coach. Donc, basiquement, là, bon, j'ai déjà donné la démo. Donc, basiquement, là, c'est un fil d'actualité avec les séances qui sont prévues pour les joueurs, pour les athlètes, avec leur niveau de forme. Je vais te montrer, du coup, comment on en arrive là. Donc, la première partie, peut-être, c'est de te montrer les programmes. Donc, évidemment, tu peux créer tes différents blocs, etc. Et du coup, un programme chez moi, ça se présente comme ça. Donc, comme un calendrier, basiquement, dans lequel tu peux créer tes exercices, tes séances, les déplacer. Tu peux donc soit utiliser la base de données qui existe, soit ajouter toi tes exos si tu ne trouves pas ton bonheur, et puis ajouter les photos, les vidéos comme tu veux. OK, ouais, ça j'avais vu. Et du coup, la question que je me posais, c'était est-ce que si est-ce que toutes les données de tous les entraînements sont un peu entrecroisées? Est-ce que si par exemple, toi un jour, tu te dis, tu veux rentrer un exercice qui n'existe pas dans ta donnée, et que toi, du coup, tu l'ajoutes, est-ce que cet exercice, du coup, devient accessible aux autres entraîneurs qui sont sur la plateforme, ou la donnée que tu as, toi, ajoutée, te correspond que toi, à ton serveur, on va dire. Bah, Je ne sais pas si en c'est fait, clair.
Ouais, si, c'est hyper clair. Pour le moment, c'est partagé, mais je suis en train de, enfin, je suis en train de le cloisonner pour que ce soit que accessible. Pour le moment, je l'ai ouvert pour que ça enrichisse la base de données. Ah, c'est ça ce que. Ouais. Et Ok. comme ça, les autres peuvent en profiter aussi et puis avoir accès aux photos. Et après, bah, si on veut modifier ou puis ajouter ses propres exos, on peut aussi, quoi. Ok. Du coup, voilà, bah, je te montre rapidement. Donc, l'idée, c'est que tu puisses créer des groupes aussi, bah, en fonction des postes, par exemple, ou s'il y en a qui se sont fait mal ou autre. Donc, comme ça, après, tu as une programmation qui peut être, entre guillemets, semi-individualisée. Donc, là, je suis vraiment dans la partie programme. Tu as une petite partie planification. Donc, là, il n'y a pas beaucoup d'exemples, mais en tout cas, tu vois l'idée, tu peux créer tes blocs avec les compètes, etc. Et après, donc, tu peux assigner donc un groupe d'entraînement ou un athlète. Et après, bon, je vais aller sur le profil sur mon profil en l'occurrence, où je ne m'entraîne pas beaucoup en ce moment parce que je n'étais pas trop en forme. Mais du coup, tu retrouves bah, du coup, le programme individualisé. Bon, si tu veux, je te montre comment créer un exo. Bah, typiquement, je vais mettre un squat. Tac. Et après, tu as trois champs. Donc, au final, moi, ça ressemble à mon Excel que j'avais avant. Donc, 5 séries de 5, par exemple, à 80%. Là, j'ai le kilo parce que du coup, j'ai rentré mon max derrière avec ma petite courbe. Et du coup, ça me dit ce que je peux faire. Et puis après, tu peux changer les modalités. Bon, là, en squat, ça sera plutôt des reps. Mais après, si tu fais un circuit training ou des sprints ou autre, ça peut être en mètres, en minutes, en secondes. Et pareil sur l'intensité. Tu peux mettre ça en RPE, en mètres par seconde, en rep en réserve, etc. quoi. Voilà, tu trouves ça plutôt clair? Ouais, mais ça, c'est ce que je disais que ça m'avait vachement. Je trouvais ça hyper facile. Je m'étais rentré du coup, je m'étais auto-testé sur moi, je m'étais fait des séances. Et après, c'est. Tu vois, ça, c'est hyper intuitif, ça va vite. C'est cool. Et ça évite de trop batailler du coup sur l'Excel à faire des copier-coller. Mince, l'image est trop grande, il faut la rogner pour qu'elle redevienne. Non, je trouve Ouais, ça vraiment cool. cool. Et après, bon, bah, la partie la plus fun, parce que la création des exos, c'est la partie la moins fun, c'est plutôt les indicateurs. Donc, au quotidien, alors je t'ai préparé ça, là, voilà. Bah, ça va dire au joueur, bah, salut, comment tu te sens aujourd'hui? Et du coup, bah, le fameux wellness, bah, que tu connais, donc chez moi, il se présente comme ça. Là, je suis en train de travailler pour qu'on puisse customiser les questions qu'on veut poser. OK. Donc là, bah, là c'est le truc classique, hein. Est-ce que tu as bien mangé, tu as bien dormi, ton niveau d'humeur, tes courbatures, ton niveau de stress hors entraînement. Et du coup, ça va alimenter du coup la partie de gauche, la récupération. Donc je vais te montrer ça. Bon, après, je vais enchaîner quand même direct. Donc là, l'idée, c'est qu'après, il puisse faire sa séance ou pas avec l'application. Mais l'idée, c'est surtout bah, de loguer quand même les résultats, potentiellement les commentaires s'il en a, le mettre le RPE à la fin. Mais je pense que ça, tu avais déjà vu, je pense. Ouais, ça va. Au top, donc voilà, bon, bah, je reviens là. Du coup, le wellness va mettre à jour la partie récup et le RPE va mettre à jour la partie fatigue, sachant que du coup, je récupère aussi les données d'intensité, volume, tonnage, distance, durée, RPE et intensité moyenne sur tous les exos bah, qu'on a là. Et je pense que du coup, ça te parle. Après, je vais calculer la charge aiguë, chronique, monotonie, etc. OK. Et du coup, le sportif qui t'entraîne peut enfin, directement rentrer le commentaire qu'il a sur la séance. C'est Ouais. ça? Ouais. Ok. Ah, c'est les petits que tu as. Par exemple, je prends sur le 8, Muscle Snatch, le petit commentaire, c'est toi qui l'as mis ou c'est Ouais, ça c'est moi. l'athlète? En fait, si tu veux mettre toi le commentaire en tant que coach, tu vois, tu peux le mettre là, commentaire, par Ok. exemple. Et après en séance, ça se présentera plutôt comme à peu près comme ça, tu vois. Ok. Et du coup, le commentaire du joueur sera comment? Comment il apparaîtra? C'est comme, c'est ça? Ok. Ouais. Là, c'est la D'accord, très prescription bien. avec l'exo, et puis là, c'est le commentaire du joueur. Ok, nickel. Voilà. Et du coup, peut-être en premier, peut-être bon, la partie récup. Du coup, la partie récup, bon, peut-être la partie fatigue en premier. Du coup, qui peut aller de. Donc, du coup, la zone que j'estime, elle est déterminée en fonction de l'estimation de la récupération et la quantification de la charge. Donc, elle peut être de sous-entraînement optimal, surmenage, surentraînement. Et donc, du coup, la fatigue, bah, sensiblement la même chose. Et donc, qui est déterminée par la contrainte, la surcharge, donc l'indice de charge chronique aiguë, là. Et la monotonie. Et du coup, bah là, tu vois, je fais un petit rapport. Donc, pour revenir à la conversation qu'on avait tout à l'heure, donc la fatigue, bah, tu vois les différentes zones là. En haut, c'est surmenage, ici optimal la récupération. Et ce qui me paraît hyper intéressant de faire, du coup, c'est de quantifier la fatigue qui vient de l'entraînement et celle qui vient du mode de vie, donc à travers le wellness. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'entraînement, mais je vais trouver une semaine avec un peu plus de trucs. Parce que je suis pas forcément, je fais plus de Upper Club que d'entraînement en ce moment, voilà.
Du coup, tu vois, là, c'est la fatigue qui vient hors entraînement. Donc là, je ne me suis pas entraîné puisqu'il n'y a pas de barre grise. Et en fait, ça va me pomper ma réserve énergétique, on va dire. Ce qui fait que je serai plus facilement en surmenage si j'ai mal dormi, si je suis très stressé, si je suis mal Ouais, alimenté, je vois ce que tu veux dire. etc. Et du coup, bah, l'idée, c'est de minimiser au maximum cette barre blanche pour bah, s'entraîner le plus possible, mais de façon récupérable, quoi. Voilà. OK. Après, là, j'ai quelques petites infos sur les zones d'intensité. Donc, est-ce que je travaille plus en force, en puissance, en explosivité, en technique, etc. Puisque tu peux créer aussi des exos spécifiques au sport. Et voilà. Et puis après, sur la récup, donc pareil, qui va de très faible à très en forme. Du coup, je vais avoir l'impact. Alors là, je n'avais pas de trucs sur ce jour-là. On est le combien là? On est le 11. Le 11 novembre. Tout à l'heure, le 11 novembre, on est là. Hop. Voilà. Du coup, là, donc j'ai le wellness et l'indice de fitness. Tu sais, quand tu fais charge moins contrainte, là, du coup, ça va me donner mon score en haut. Et là, du coup, je vais avoir bah, l'évolution de ma récupération avec les différentes zones récupération insuffisante, correcte, bonne. Et puis le petit rapport bah, du sportif et savoir bah, avoir aussi le suivi sur le long terme. Parce que quand on. Enfin, c'est hyper cool de demander, mais du coup, c'est cool. Moi, perso, je n'arrive pas forcément à me rappeler la semaine dernière comment je me sentais exactement sur tel ou tel jour. Ouais, parce que c'est dire, parce pour avoir ce retour des semaines précédentes, Ouais, voilà. j'ai fait un Google Doc qui m'envoie toutes mes données sur un Excel, sauf que j'ai des données qui remontent du coup, enfin, elles sont assez un peu tassées, quoi. J'ai rien de très clair, alors que là, c'est beaucoup plus, là, c'est clair en suivant, quoi. Ouais, comme ça, tu peux mettre ça en corrélation, bah là, la récup avec la fatigue, tu vois, et du coup, tu peux avoir un peu la corrélation de quand est-ce que c'était dur et quand est-ce qu'on récupérait bien ou pas, quoi. Voilà, bah là, j'ai fait le tour là-dessus. Puis pour conclure, je te montre là, on revient ici. Du coup, tu comprends un peu mieux avant les séances qui se sent comment bah, pour essayer d'ajuster ça. Puisque du Ouais, coup, on c'est peut ça. le faire à la maison avant de venir à la salle, par exemple. Et puis après, sur tous tes sportifs, bah, sur la fatigue, tu peux avoir le tableau de bord bah, qui, a priori, est fatigué ou pas et quels sont les stresseurs qui créent cette fatigue, avec les petits voyants rouges, verts ou jaunes. Et puis la même chose sur la récup, donc avec les critères qu'on a vus, en fait, mais agrégés sur la vue de la liste des sportifs, quoi. Trop bien. Voilà, tu trouves ça chouette? Moi, je trouve ça vraiment cool. C'est bah, comme ça modernise un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tous nos Excel propres à chacun. Ça modernise la chose, c'est quelque chose de beaucoup plus clair qui peut être à la fois compris et lu par du coup par le prépa, mais aussi et très facilement par l'athlète. Et Ouais. trop bien, et en même temps ça te fait un support où tu as les données de tout le monde au même endroit en fait. Ça t'évite Ouais. d'ouvrir 15 pages en même temps, donc c'est trop cool quoi. En vrai, Et je trouve ça vraiment bien. cool, bah c'est cool d'avoir eu ton feedback. Moi, comme tu vois, l'idée c'était bah, tu vois, j'aime bien parler avec des prépas physiques plutôt de haut niveau comme toi. Parce qu'après, j'aimerais bien, bah, au final, je m'inspire des méthodes d'entraînement du haut niveau et je me dis que j'aimerais bien la rendre accessible à des coachs entre gros guillemets plus grand public. Pour essayer de rendre accessible un petit peu ces méthodes, tu vois, rien que le wellness, c'est quelque chose qui est indispensable, qu'on veuille gagner les JO, qu'on veuille juste perdre 10 kilos, bah, le Hyper stress et important. l'alimentation, bah, en fait, ou même la sophrologie, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, qu'on soit stressé par l'enjeu des JO parce qu'on a un patron qui nous casse les couilles, bah, en fait, Ouais, tu peux le dire, vas-y. c'est. Ah, c'est vrai que c'est hyper important. Donc. Comme ça, c'est vraiment cool du coup de voir quelque chose qui soit quantifié et tu puisses le suivre, quoi. Parce qu'au final, c'est des données comment dire, qui ne vont pas être affichées en grand sur un écran. Enfin, tu vas l'avoir toi. Mais c'est juste au final une relation que tu as avec l'athlète, c'est trop trop bien quoi. Il se sentira peut-être plus en confiance que sur un Excel où au final il y a les données de tout le monde qui sont affichées d'un coup Ouais, et puis c'est un peu moins froid aussi là, on peut se l'approprier un peu quoi. plus. Ouais. Ouais. Grave. Cool. Et tu sais du coup quand l'application va arriver sur iOS? Bah en fait, là, en fait, vu que je fais encore beaucoup de mises à jour et de développement, j'attends un petit peu parce que vu que je fais beaucoup de mises à jour, si je fais une appli iOS, par exemple, ça veut dire qu'il faudra la mettre à jour toutes les semaines, donc c'est relou. Du coup, j'attends de stabiliser un petit peu. Mais Ok. bah en soi, l'application, bon là, ce n'est pas une vraie appli que je te montre ici, puisque c'est mon Ouais, autre c'est. ordi. Mais en fait, tu as déjà accès à une application hybride. Moi, je l'ai sur mon iPhone.
et du coup, tu peux l'utiliser quand même. Bah, ce que tu vois là, en fait, c'est ce que tu auras sur l'appli aussi. OK. Donc, ça c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir sur le téléphone. Ou ouais. Même, du coup, pouvoir arriver avec la tablette en séance, mettre la tablette et dire OK, bon, bah, rentrer les données en suivant. Ou bah, du coup, le joueur, il a une session, il va sur la tablette, il sait la séance qu'il a à faire. Pour individualiser, ça peut être vraiment bien. Ouais, carrément. Mais si tu veux essayer, de toute façon, je te dis, c'est déjà accessible sur le. C'est pas une appli native encore, mais en tout cas, c'est une appli qui fonctionne sur les téléphones et sur l'iPad aussi. Ouais. Et c'est comment elle s'appelle, du coup? Mais tu t'étais déjà créé un compte, c'est ça? Ouais, mais que sur le PC. Ah, du coup, c'est du pareil. Coup, c'est la même chose. Du coup, tu vas aller sur app.theperfclub.com sur ton navigateur Safari là. Et après, attends, je vais te montrer ça. Tac, tu vois après. Je sais pas si tu vas voir trop bien là, mais là ouais. Après j'ai l'icône là. Je clique dessus. Si j'arrive dans l'autre sens. Et après, bon, là, c'est ma vidéo okay, cool. Avec le contre-jour, mais du coup, ça fonctionne direct. Et puis, tu vois, là, j'ai mon profil avec mes données, quoi. OK. Attends, je vais essayer de le faire. Et du coup, pour faire ça, voilà, tu vas sur app.theperfclub.com. Et en fait, il faut simplement enregistrer l'icône sur le bureau, mais après, ça fonctionne pareil. OK, c'est bon. Je pense que je l'ai. C'était appuyé sur la petite flèche en bas, là. Ah non, j'arrive pas dans l'autre sens. C'est là, comme ça. Tac. Et après, tu fais enregistrer sur l'écran d'accueil. Voilà, là. C'est là. Et après, c'est bon. OK. Tac. Enregistrer sur l'écran d'accueil. Alors, bon, c'est en cours de chargement, j'espère. Ah, c'est bon. Ouais, ça marche direct, normalement. Normalement, c'est bon. Bon, je ferai après. Pas d'embêter avec. Cool. Bah, merci pour tout. Est-ce que tu avais d'autres questions, toi, ou des choses à. Pour l'instant, là, j'ai rien qui me vient en tête. Mais après, je pense, si je t'écris par les réseaux, je pense que tu me répondras un jour ou l'autre. Donc, je pense que j'ai une question qui m'arrive, je t'écrirai. Avec grand plaisir, même si tu l'utilises, moi je suis hyper avide même de critiques, de remarques et puis d'échanges. Donc n'hésite surtout pas à me contacter. Ouais, je pense que je vais la mettre en place et je vais essayer de la mettre, de la rendre, comment dire, vraiment l'utiliser assez régulièrement, au moins à l'atelier. Ouais. Parce que du coup, là on a quelque chose qui est déjà en place avec le hockey, donc ça serait compliqué de tout changer pour passer à autre chose. Mais avec les gens que j'entraîne à l'atelier et les golfeurs que je suis, je pense que je vais essayer de le mettre en place. Surtout pour les golfeurs, parce qu'au final, quand ils sont là, bon, là, ils sont en compète en Italie. Et après, ils reviennent. Donc, là, sur 3 jours, ils n'ont pas d'entraînement, ils sont assez contents. Ouais. Mais quand ils partent jouer en Espagne, qu'après, au final, ils n'ont pas le temps de rentrer en France, ils partent directement jouer en Italie, et qu'au final, ils se retrouvent sur place pendant 3 jours, ils ont le temps de faire une séance, directement, ils vont sur l'application. OK, Dorian nous a déjà rentré une séance. On n'a plus qu'à la faire, quoi. Ouais. C'est quand même plus facile, plus pratique. Donc, je vais essayer de télécharger sur mon téléphone, de faire un truc propre. Comme ça, je pourrais commencer à travailler comme ça avec eux. Carrément. Bah, donc, si j'ai des retours. En tout cas, crois pas que tu vas me déranger ou quoi. Au contraire, n'hésite surtout pas, même si je peux t'accompagner pour créer des premiers programmes ou quoi. C'est avec grand plaisir, quoi. OK, super. Bah, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Donc, on reste en contact. Grave. Et puis, bon entraînement. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi et de rien, avec plaisir. J'attendais ça depuis un moment, donc c'est trop cool. Super cool, ouais. Bah, moi, je suis content aussi d'avoir fait ta connaissance. Et bon entraînement et à bientôt. Merci et à bientôt. Ciao. Salut, ciao, ciao.